Le Français Johannes Edel a remporté une victoire surprise samedi à l'épreuve de la traversée du lac Memphrémagog. Le nageur d'endurance a réalisé un temps de 7 heures 24 minutes et 43 secondes. Une première place d'autant plus inattendue que Johannes ne prévoyait pas nager à Magog. Il remplaçait Léonie Pamerlo qui avait déclaré forfait au début de la semaine. À l'aller, je me sentais très bien. Bon, après, il restait encore 17 km, c'est des courses très longues, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai, au moment où j'ai attaqué, où j'étais chercher Popotchev qui avait 100 mètres d'avance, où je me suis détaché du groupe, je savais que je pouvais m'accrocher et aller jusqu'au bout. J'ai vraiment pris énormément de plaisir parce que l'eau était à bonne température, les conditions étaient quand même très difficiles parce que beaucoup de vagues. C'est beaucoup de joie parce que j'ai une année assez difficile. C'est vrai que j'avais vraiment à cœur de remporter une course de Coupe du Monde. La vedette locale, le Sherbrookeois Xavier Desharnais, a terminé bon deuxième. Je suis super content. Pour moi, c'est comme une première place. Je pense que j'ai super bien fait. J'aurais pas pu faire mieux. Là. Je suis vraiment, vraiment exténué. Je pense que j'ai jamais été aussi fatigué que ça de ma vie. Puis j'ai bien hâte d'avoir mon massage. La traversée du lac Memphrémagog a beaucoup changé cette année. Les activités entourant la course ont été courtées de moitié et des nouveautés comme le wake dans la rue sont ajoutées. Dans l'ensemble, la nouvelle équipe de direction s'estime satisfaite. On est très content de la réceptivité, on va dire, des citoyens de Magog qui sont déplacés en grand nombre depuis les deux dernières journées pour venir voir et les spectacles et les activités sportives en famille. Très content. On a diversifié aussi nos activités pour rejoindre toutes les âges de la population, autant les jeunes que les adolescents puis que les adultes. Qu'est-ce qui est super intéressant cette année aussi, il y a une bonne couverture médiatique internationale. Déjà, on a des journalistes sur place qui viennent de la France, de l'Argentine, des États-Unis. On sent qu'il y a un bon momentum pour la traversée. William Levasseur pour Estrie Plus à Magog.